La parole qu'aujourd'hui nous entendons est comme toujours une parole pour que nous puissions trouver la vie aujourd'hui. Moi, je suis intimement convaincu que la vie de l'être humain, donc la vôtre comme la mienne, est une vie qui se construit par les paroles qu'on entend et qu'on retient. Ma vie, elle se construit, elle est faite des paroles que j'ai entendues et que je retiens. Et donc, nous qui sommes croyants, notre vie se construit en écoutant la parole de Dieu, et pour cause. Notre Seigneur aujourd'hui, dans le Deutéronome, nous dit « Si vous m'écoutez, vous vivrez, vous entrerez, et vous serez les habitants de mon pays, le pays du Seigneur. » Est-ce que ce n'est pas ce pays-là vers lequel vous et moi nous sommes en route, le pays du Seigneur, le pays où le langage est le langage de Dieu, où l'écoute est l'écoute de Dieu, où les relations sont celles des relations de Dieu. Plus j'avance, plus je me dis, voilà le pays dans lequel je désire vivre, marcher, me déplacer. J'ai envie de rencontrer aujourd'hui des hommes, des femmes dont le souci est de vivre du pays de Dieu et de construire le pays de Dieu. Les autres constructions, les autres pays, les autres manières, c'est bien, mais ça ne m'attire pas. Ce qui attire mon âme, ce qui attire le plus intime de mon être, c'est le pays de Dieu. Alors, pour y arriver, il dit, ben écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Gardez ce que je vous dis, et tout ce que je vous dis que vous garderez, ce sont toutes les portes de mon pays qui s'ouvrent pour vous. Non seulement les portes de son pays, mais les portes de tous les habitants de son pays. Alors, on peut penser à la Sainte Vierge. On peut penser aux saints, aux saintes, à nos fondateurs, à nos anges gardiens et à tout ce monde. Si tu gardes les décrets, les commandements que je te donne, tu entreras dans mon pays et tu rencontreras tous ceux qui y habitent. Et c'est là, quand nous nous mettons en route avec ce désir en nous, nous n'écoutons plus les autres qui ne sont pas de ce pays-là et qui radotent tout et n'importe quoi. Le Seigneur Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons, disait aujourd'hui l'auteur du Deutéronome. Eh bien oui, nous l'invoquons. Nous l'invoquons. J'ose espérer que c'est pour ça que nous sommes ici, que c'est pour ça qu'on a adoré, que c'est pour ça qu'on a médité les mystères glorieux de la vie du Christ et de la Sainte Vierge, afin d'entrer de plus en plus dans ce pays. Alors, il y a cette béatitude que notre Seigneur Jésus proclame aujourd'hui dans l'Évangile.
celui qui observera tout ce que je dis, celui qui enseignera tout ce que je dis, il sera grand dans le royaume des cieux. Il aura une place importante dans la cité céleste. Alors, que le Seigneur vienne purifier nos cœurs, nos âmes, nos corps, nos pensées, afin qu'il n'y ait plus en nous que ce qu'il dit, ce qu'il propose, ce qu'il offre. Et notre vie sera une vie de paix, de communion avec lui et avec tous ceux, toutes celles qui déjà sont dans ce pays, le sien. Que toutes les bénédictions descendent sur nous, afin que ce que nous avons entendu devienne réalité, esprit et vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.